mes loulous et mes louloutes, aujourd'hui on se retrouve pour un swap. Un swap que j'ai effectué avec Laetitia de la chaîne Simplimi. Pour elle, ça va être son tout premier swap. Alors, je suis un peu deg parce qu'elle aurait dû recevoir son colis ce matin. Et malheureusement, elle ne recevra que lundi. Et exceptionnellement, elle fera la vidéo lundi pour que je puisse voir aussi sa réaction de son tout premier swap. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira déjà. Je perds déjà mes mots avant même d'avoir ouvert le colis. Alors imaginez quand je vais l'ouvrir. Si vous ne connaissez pas Simplimi, donc Laetitia, je vous invite fortement à aller sur sa chaîne, partager, liker et vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Elle présente des box, des recettes cuisine, avec Bouboule. Bouboule, c'est son petit chat. Donc, voilà. Donc, je vous invite fortement à aller la voir. Et donc, voici le colis. Alors, je vous dis pas, il pèse 3 tonnes. Donc, je l'ai pas encore ouvert et vous allez entendre l'ouverture. Voilà. Et que j'ai mal ouvert, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ouvert. Donc, j'espère que j'ai pas mis à l'envers. Ah non, je vois la petite carte. Alors, coucou ma coco. Quel bonheur de faire ce swap avec toi. J'espère que tout te plaira. Je t'adore. Il y a plein de petits cœurs. Ne m'en veux pas, mais j'ai explosé un peu le budget. T'inquiète pas, moi aussi. Et je sais, il est moche, mon smiley. Bonne ouverture, bisous. Et PS, j'ai pensé à YouTube. Ah, tu verras, il y a une surprise. Donc, voici son petit smiley. Oh, si, il est cool. Et donc, c'est une carte postale de Port-Vendres, puisqu'elle habite là-bas. Donc, je vous donnerai pas non plus son adresse complète. Hein. Je ne suis pas folle, mais voilà. Déjà, rien que la carte, c'est super. Moi, je vous dis, une petite carte, moi, ça me suffit largement. Et quand je vois le carton, alors, je peux même pas soulever. Mais bon, on va faire. Alors, je sais pas s'il y a des numéros. Non, je crois qu'elle m'a dit qu'il n'y avait pas de menu. Je sais pas du tout. Non, je crois qu'il n'y a pas de menu puisqu'il n'y a pas de numéro. Donc, je vais les prendre comme ça. Et puis, s'il y a un menu, il sera en dessous. Et non, je pense pas qu'il y ait de menu. Donc, je vais l'ouvrir. Allez, c'est parti. Alors, le premier. Alors, moi, je sais pas du tout reconnaître les trucs. Moi, c'est... Quelques décorations. Ça va être super pour faire avec mon petit chouchou quand il va venir. Alors, c'est des confiseries. Ok. Donc, on peut les manger. C'est des petits animaux. Ah, c'est trop chouette. Il y a un petit lion. Je vais l'ouvrir. Ah, c'est trop mimi. Il y a un éléphant, un petit lion et un petit hippopotame. Alors, mon petit-fils qui adore les animaux, je vous raconte même pas. Donc, ça veut dire mamie fait des gâteaux. Oh, puis il a des petites coccinelles. Oh, c'est trop chou. Donc, allez, mamie, fais des cupcakes. Alors, je vais pas dire merci à chaque fois. Hein. Je dirais merci. Ça, c'est une petite bouteille. Mais de quoi? C'est Yves Rocher. Je vois déjà Yves Rocher marqué dessus. Au monoeil de Tahiti. Huile sèche. Ça, c'est très bien. Oh, et puis ça sent super bon. Que je vous montre, au fait. Parce que, alors moi, quand je suis dans mes swaps, moi, c'est pour moi. On y va. Oh là, c'est lourd, ça. C'est des lingots d'or.
Mazout. Ah, mais c'est les swaps, c'est ça qui est bien, parce que ça te fait découvrir des produits, mais en même temps, ça te fait Noël avant Noël. C'est toujours Noël avec les swaps. Oh là là, des savons de Sien ou Sion. Savon de Marseille à la pêche. Oh là là. Ça sent super bon. Et à la lavande. On arrive à sentir même à travers le paquet. Génial. Alors c'est vrai que j'avais fait une vidéo, mais c'était pour rire, que je me lavais du 1er janvier au 31 décembre de cette année. Donc je pense que c'est l'allusion que je me lave pas. Tu m'as envoyé des savons. C'est trop marrant, c'est trop mimi. Oh les trucs. Allez. Oh, c'est tout mou ça. Attention. Oh, bah ça c'est pas pour moi. C'est pour YouTube. Donc des petites balles. Donc bah merci pour elle. Là, elle ne viendra pas. Donc je sais pas où elle est. Donc des petites balles. Oh, un petit serpent. Ah, et ça, c'est avec de l'herbe à chat. Donc, c'est une petite souris. Et qu'on doit mettre de l'herbe. Ouais, c'est comme ça. Et on met dedans. Donc, bah, je vais partager entre YouTube et Panthère. Puisque vous savez que j'en ai deux. Mais YouTube, là, je sais pas où elle est. Donc, non, je sais pas du tout. Mais en tout cas, merci bah, pour les deux, parce que comme ça, bah, il y en aura un pour YouTube et un pour Panthère. De toute façon, ils vont jouer toutes les deux. Et puis les petites balles. Merci pour elle d'avoir pensé. Alors, on y va. Ah, YouTube est là, mais si je vais la chercher, elle va se barrer. Donc, je vais courir plus que elle. Oh là, ah non, mais t'as triché là, t'en as mis deux. Mais tu verras, moi aussi j'ai triché. Donc, parce que ça rentrait pas dans le carton, à vrai dire. Ah bah voilà, la voilà. Va dire merci à la caméra. Dis merci Laetitia. Merci. Ma fille, dis merci pour les cadeaux. Oui, mais elle est encore. Elle est petite, elle a que 5 mois. Donc, elle est petite. Donc, c'est mon chéri qui l'a attrapée. Oh, je voulais tester ça. Poire cacao. Oh, c'est une crème pour les mains. Je leur donnerai après leurs petits, les petits jouets, t'inquiète pas. Oh, un bonheur. Je voulais tester et donc, ça sent super bon. Et là, une brume vitaminée pamplemousse rose de Yves Rocher. Oh, ça sent super bon. Merci. Non, je dis, je vais pas dire merci tout le temps, j'ai dit. Oh là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est dans une belle petite boîte Birchbox. Oh, c'est bien, je vais pouvoir la garder. En plus, elle est rose. Je vais en avoir partout, 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 encore sur la table. Ah, ben, je voulais pas montrer, pardon. Donc, elle est rose saumonée. Oh, oh non, mais alors là, non, c'est de la triche, parce que la boîte, elle est pleine. Elle est pleine, oh non, non, non. Donc, c'est nouveau. C'est le mascara de Sien ou Sienne. Mascara waterproof. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai déjà et c'est nouveau. Donc, il est, je pense, noir. Mais ils ne mettent pas les couleurs. Super. Ah, je retrouve une crème nourrissante à la lavande. Pour les pieds, ah super, 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 j'en avais plus, alors ça, t'as lu dans mes pensées, c'est pas possible.
Oh là là, elle m'a pris plein de sions. Mais alors, c'est super parce que moi, dans le mien, à part quelques rouges à lèvres que j'avais. Non, vernis à ongles. J'avais pas trouvé tout ça. Oh là, je sais même pas par quoi commencer. J'ai pas pris de swatch. De swatch. Ah ouais, bah ça y est, ça va commencer. De lingette, mais bon. Donc là, c'est un lip gloss. Le numéro 12, Sugar Plume. Alors là, je vais ouvrir. T'as fait des folies, ma belle. Fallait pas. Hein. Bon, je sais que c'est ton premier swap, mais tu sais que moi, je me contente de très peu. Il est magnifique. C'est un rose avec des petites paillettes. Oh oui, on les voit. Et en plus, c'est bien, c'est que ça colle pas. C'est génial. Donc il est comme ça. Vous, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, ça brille. Voilà. Ensuite, un autre lip gloss. Donc c'est le numéro 13, Riche Magenta. Tout est neuf, hein. Et elle a fait ça super bien. Pourtant, c'est son, comme elle dit, c'est son premier swap. Elle a fait ça super bien. T'as pas à avoir peur. Bah, celui-là également. Alors, celui-là, il est, c'est un, effectivement, comment il l'appelle, je vous ai dit. Riche magenta, donc un peu couleur framboise. Mais ça, c'est super, ça. Ça, moi, j'adore. Ah, j'ai Panthère qui est en train de renifler des petits jouets. Ensuite, je trouve un concealer pareil de Perfect Nude de Sion. Alors là, franchement, tu m'as gâté parce que les produits Sion, j'en avais pas beaucoup. Ça va agrandir ma petite collection. Là, ça va me faire une grande collection. J'aurais dû prendre un ciseau. Oui, tu les auras après, Nénette. Attendez, viens, viens ma fille, viens, viens voir maman, viens. Je reviens, je vais essayer de l'attraper. Bon, bah non, j'ai des chats qui se barrent dès qu'on essaye de les approcher. Donc, je voulais te montrer, Laetitia, mais elle est partie. Donc, j'ai ouvert ça comme une cruche, bien sûr. Donc, je vous ai dit que c'était un concealer. Ah! Petite bouboule. Super. Ah, mon mari m'a attrapé Panthère. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. Viens, ma fille. Mais viens, ma fifille. Tu dis merci aussi à Laetitia et à Bouboule pour les cadeaux. Merci, Laetitia. À ma fille. Oh, oui, ma fille. C'est la fille à sa mère, hein? Dis merci Laetitia. Voilà. Hop. Et elle m'a griffé, mais bon, c'est pas grave. Donc, on continue avec un autre lip gloss, le numéro 14, Bold Bordeaux. La vidéo, alors je vous dis pas, va durer 3 plombs, mais c'est pas grave. Mais en même temps, j'ai mis. Voilà. Il est bien rouge, hein, moi je vous le dis. Super. Alors, il vous fait un peu orangé, mais je peux vous dire qu'il est bien rouge. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'odeur. C'est super agréable. Ensuite, nous trouvons de la même marque. Alors, ça, comme j'ai déjà le mien, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, c'est le numéro 40. C'est Soft Caramel. C'est bien sûr un fond de teint. Génial. Donc quand j'aurai fini le mien, je pourrai l'essayer. Ensuite, toujours de la même marque, j'aurais dû prendre un ciseau. Chérie, tu peux me donner un ciseau, s'il te plaît? C'est le numéro. Oh là. Bon, ben, je vais vous montrer plutôt. Hein.
Alors c'est super parce que c'est une arabesque. Merci. Une arabesque et c'est un joli rose. Alors je sais, voilà déjà. Pareil, il est juste magnifique. Et là, pareil, c'est une ombre à paupières. J'aurais moins de mal avec le ciseau parce que comme j'ai mon petit bibi là qui arrive pas à se guérir. Et là, donc, c'est pareil, les numéros, ils sont trop petits pour moi. Donc, je vais vous faire plutôt voir la couleur. C'est un beau beige. Pareil avec la belle arabesque. Vraiment, et puis pas poudreux, il est là. Ça se voit quand même, hein, les belles, ils sont vraiment très, très bonne qualité. Là, ouh, pareil, je découvre de chez Yves Rocher. Pomme, n'importe quoi. C'est vrai, ça va commencer. Je vous dis, ça va commencer par cacao. Donc, c'est un baume à lèvres. Super. Ensuite, je trouve un lipstick, donc un rouge à lèvres, hein, tout simplement. Mais je veux bien arriver à me destroy la main. Voilà. Je vous dirai le numéro après. Ça, c'est on est tellement pressé de vouloir offrir. Oh là 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 là. C'est le numéro 11, Fuchsia Pink. Alors, je vais le. Bah, tant pis, hein, je vais être bariolée parce que j'ai oublié de prendre les lingettes. Impeccable. Oh mince. Ensuite. Le numéro 13, Velvet Ruby. Mais ils ont de ces noms, les rouges à lèvres. Ils peuvent pas mettre, je sais pas moi, rouge, passion, que des noms à rallonge. Alors là, oui, hein, je peux vous dire que il est bien rouge. Alors, je sais pas s'il va. Vous voyez, il vous fait un peu orangé, mais il est vraiment très rouge. Pas d'odeur. Alors ça, c'est le bonheur, franchement. Et ensuite. Ah, j'ai bien pris le petit pupillon là. C'est très bien. Pareil, un lipstick, c'est le numéro 12. Berry Passion. Et bien sûr, c'est un. Oui, mauve. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, pour l'instant, Maletti a fait un sans faute. Les couleurs, bah, c'est toutes les couleurs que j'aime. Et puis, ce que je voulais essayer de chez Yves Rocher. Alors là, franchement, bravo, bravo, bravo. Il y en a partout, je ne sais plus les mettre. On continue. Oh là. Il y a un mou et un dur. On y va, on y va. Ah oui, mais t'as triché. Oh, c'est trop beau. Coton Body Lotion de Natura. Original Natural. Body Lotion. Je ne connais pas du tout. Oh, par contre, là, ça a un peu coulé. Ouais, c'est un peu coulé. Mais t'inquiète. Dans le paquet. Oh là, ça, par contre, ça sent super bon. Je vais le bien le nettoyer. Mais t'inquiète, j'espère que j'en ai pas perdu beaucoup. J'en ai ouais, plein les mains. Body lotion. Ça sent juste trop bon. Mais ça, vous savez, quand on fait les colis avec la poste. Et ça. Batte sale. Alors, si je disais en français, ça serait bien. C'est des sels pour le bain.
Mais bon, je n'ai pas de baignoire, mais si je peux peut-être les transformer pour me faire en bain de pied, si c'est faisable ou pas, je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Des sels. Ah bah ouais, super! Des sels pour le bain. Moi, je me les ferai en bain de pied. C'est impeccable. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent donc? Sodium. Bah, c'est tout, c'est ça le problème. Et à mon avis, c'est au coton. Donc, au coton. Ouais, c'est au coton. Pareil que la lotion. Ça sent super bon. De original natural. 200 grammes. Je ne connais pas du tout. On continue. Oh là! C'est très dur, ça. C'est très dur. De l'huile d'olive. C'est quoi, c'est trop. Huile de pépins de courge styrienne, élaborée en Autriche. Alors là, oui, j'avais pas trop tort en disant que c'était une huile d'olive, mais non, c'est une huile de pépins de courge. Idéal en accompagnement de salade, plat froid ou chaud, à utiliser uniquement en assaisonnement. Oh, mais c'est trop classe, ça! J'aurais jamais pensé mettre donc 200 ml. J'aurais jamais pensé à faire un swap avec... Faut que je l'ouvre. De toute façon, ça va être utilisé, donc il n'y a pas de souci. Ah, oh, mais ça sent bon en plus. J'aurais jamais pensé mettre dans un swap à manger, enfin, pour faire à manger. Ah, alors là, je suis scotchée parce que c'est ton premier swap et tu fais des trucs qu'on n'a jamais vus. L'huile de pépins de courge pour les salades. Ah non, mais alors là, je suis alors sous le cul, hein. Merci beaucoup parce que alors ça, franchement, j'aurais jamais pensé. On continue. Ah, trop cool. Ça donne des idées pour les prochains, après, éventuellement, swap de mettre des pâtes, voilà, des trucs qu'on trouve pas forcément. Et, ah non, mais ça, franchement, bravo. Alors, tu vas rire. Alors, effectivement, elle est très belle. Elle est franchement très belle. Sauf que je ne porte jamais de montre. Je parle jamais de montre, mais alors là, elle est adorable. Alors effectivement, je t'inquiète pas, hein, je vais pas redonner. Alors comme je vois des fois dans les swaps, un tel a redonné mes cadeaux pour une autre, machin et tout, parce que ça me plaisait pas. Moi, je donne lorsqu'on me donne la permission éventuellement de redonner. Sinon, je garde les choses. Alors c'est bien parce qu'elle est rose. Alors là, t'as tombé dans le mille. Mais je mets pas de montre. Mais elle est vraiment classe. Peut-être que tu vas me donner l'envie de mettre pour la première fois de ma vie à 54 ans, bientôt 55, l'envie de mettre des montres. Pourquoi pas? En tout cas, elle est vraiment très très belle. Ah oui, oui, elle est... Mais alors, je vous dis pas, hein. Elle est super, avec le cadran, avec les chiffres romains, des petits strass, et ouais, à l'heure que je tourne, il est 2h10, et elle est à l'heure. Oh, elle est vraiment très belle, mais c'est vrai que ça va me faire très drôle, parce que j'en ai jamais porté. Mais en tout cas, si je ne l'ai pas, et en plus, c'est... Cuir de vachette. Non, mais alors là, t'es folle parce que c'est du... Alors, j'ai jeté le paquet, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas jeté la montre. C'est du cuir. Non, mais t'es folle. Là, tu... Bon, on continue. C'est très dur aussi.
Enjoy Life, parfum, eau de parfum woman. Claude. Je connais pas non plus ça, mais moi, il faut que je chante le dimanche. Hein, c'est pas possible, hein, parce que le truc est trop magnifique. Claude. Enjoy Life. Oh là là. Mais c'est un bonheur. Là, avec les parfums que j'ai donc eu avec le swap avec Audrey, mon cadeau surprise avec Jeanne. Plus toi, vous avez trouvé dans le mille mes senteurs. Ils sentent divinement bon. Oh, je vous ai pas montré. Désolée. Moi, je suis seule au monde, là. Hein. Il est super. Maman. Bon, on continue. Je sais pas. Je peux pas vous dire. De la marque Essien, c'est une bébé crème. Ben ça, je connais pas non plus. C'est à découvrir. 6 en 1. Couvre les défauts de la peau, inutile le teint. Réduit les rides et les imperfections. Hydrate la peau pendant 24 heures. Indice de protection SPF 15, anti-UVA, anti-UVB. Et effet bonne mine au quotidien. Eh bien ça, clair. Oui, c'est, ah bah, c'est très bien. Très très bien, c'est ma teinte. À tester et je te en redirai quoi. Enfin, je vais pas parler français là. Un autre paquet. Apta, un voyage. Ah bah c'est pareil, ça vient bougie parfumée, chalet d'hiver, 25 heures la bougie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Une permet de créer une ambiance chaleureuse dans votre intérieur. Les parfums subtils et raffinés se libéreront pendant 25 heures. Oui, mais je la fais pas brûler non plus pendant 25 heures sans surveillance. Mais c'est à base de quoi? Chalet, alors, bougie parfumée, chalet d'hiver. Mon chéri dit ça sent la neige. Donc, je vais la sentir. Non, ça sent pas la neige, chérie. Enfin, j'arrive pas à trouver, moi. Ou alors, c'est parce que j'ai mon nez qui est bouché, mais je n'arrive pas. Les senteurs. Mais en tout cas, j'ai hâte de la faire brûler et elle va aller sur mon meuble avec toutes les autres. Jusqu'à présent, c'est un sans faute. Oh là. Ah. Un gel douche. Une crème pour le corps. Oh là. C'est vert. Tropical. Gel douche. Oui. Il y en a partout sur ma table, vous verrez. C'est Hiroshima puissance 15. C'est Sion. 500 ml. Plongez dans un monde tropical et laissez-vous envoûter par le parfum d'un monde rempli de mystères. Tolérance cutanée testée sur contrôle dermatologique. Ah, ça, c'est super. Ah! Ça sent bon. Et le packaging, en tout cas, il est génial. Merci, merci. Non, j'ai dit, je dirais pas merci. Nous continuons. Oh là. Là, il y en a un, mais je sens qu'il y a plusieurs dedans. Ça trichait. Oh là, c'est bien enveloppé. Les lauréats. Oh, mais alors là, non, non, non. Oh, elle m'a pris la gamme complète des L'Oréal. Les masques. Elle m'a pris le masque. Oh là là, non, 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 non. Le trio. Elle m'a. Donc, Skin Expert Paris, masque détox à l'argile pure.
Donc argile pure et charbon, celle au charbon. Je vais enlever le papier parce que ça fait luminosité. Ça va faire ma routine. Et en plus, c'est bien, c'est que. Ouais, il nous met. Ah oui, mais pareil, partout, je pensais qu'ils mettaient sur les zones. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Masque purifiant. Alors, masque détox peau terne. Bah, ça ne peut pas lui faire de mal, hein. Oh là, non, mais. Voilà. Donc, les packagings sont comme ceci. Et c'est un 50 ml. Merci beaucoup parce qu'elle m'a fait les trois. Donc le masque détox, le masque purifiant argile pure. C'est trois argiles pures plus eucalyptus. Donc celui-ci, c'est le masque purifiant peau mixte à grasse. Pareil, le truc, mais d'enfer, quoi. Pareil, 50. Il sent jusqu'ici l'eucalyptus. Et le dernier, c'est un masque lissant argile pure. Exfolie, affine les pores. Ah oui, je vous ai pas dit. Je vais vous redire après. Il y en a, je vous dis, c'est Hiroshima sur ma table, il y en a partout. Et donc celui-là, c'est un masque lissant, donc c'est peau irrégulière, pores élargis. Et donc exfolie, affine les pores. C'est le rose. Le masque noir à l'argile pure, il détoxifie et réveille l'éclat. Et le masque purifiant, il purifie et matifie. Merci beaucoup. Ensuite, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Oh, c'est quoi? Oh, merci beaucoup. C'est un œuf en chocolat. Oh non, mais il fallait pas. 130 grammes. Il est magnifique, blanc, au chocolat blanc et éclat de mûre. Je vais pas oser le manger. Il est trop beau. Merci beaucoup. Et il y a une petite pochette dedans. Je regarde, oui. Une petite pochette. Alors, je vais commencer à mettre quand même un peu de brun, comme on dit par chez nous. Une petite pochette, alors c'est un peu comme un zèbre. Un zèbre, c'est plusieurs animaux en fin de compte dans un. Il est trop mimi. Ah oui, bah oui, non. Excusez-moi. Alors, dans cette petite pochette, nous retrouvons divroché, amandes, fleur d'oranger, 5 cubes de bain relaxant, mais moi ça me fera pour mes pieds. Mangue, coriandre, cube de bain pareil énergisant, ça me fera pour mes petits panards. Et framboise, oh alors là, framboise c'est mon fruit préféré, menthe poivrée. Pareil, cube de bain énergisant, mais ça me fera pour mes petons. Et bien sûr, elle ne regarde pas mes vidéos. Il y a question à 1000 euros. Oui, des vernis. Alors, j'enlève d'abord les petits papiers. Et je vous présente tout ça. L'œuf est magnifique. Et devant moi, moi qui suis une bec à sucre, mais là quand on voit la bête, on n'a pas, et je transpire, on n'a pas envie d'y toucher, quoi.
Mais t'inquiète, il sera mangé. Hein. Alors, Sion, c'est le numéro... Oh là, puis alors là, j'ai pas mes lunettes, ça va être super. Mais je crois qu'ils n'ont pas de numéro, Sion. Alors, Nail Polish, 11 ml... C'est un rouge. Un très très beau rouge. Ensuite, nous retrouvons, et bien sûr, une de mes couleurs chouchoute. Je vous laisse deviner. Un violet. Et oui. Et un beige. Oula. T'as dû les resserrer. Hein. Un beige. Alors ça se sert toujours. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse, comme je vous ai dit la dernière fois, des nail art. Eh bien, écoute, Maletti, tu m'as énormément gâtée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à ce que tu... pour ton premier swap que tu as fait vraiment dans le mille. Tu m'as énormément gâté. Il y en a partout. Je vous dis, c'est Hiroshima, puissance 15 000. J'ai hâte de faire brûler la bougie. Ça, je vais quand même vous le montrer, mais c'est pour mon... Il est super. Voilà, oh là là, oh, il y a un petit bout qui dépasse, je suis désolée. On sent bien le petit grain de mur. Alors, si je mets mon nez dedans, l'œuf, il va pas rester longtemps. En tout cas, et bon. Bah écoute Maletti, je te remercie beaucoup. Et franchement, merci déjà pour mes petits chats d'avoir pensé à eux, mais tu verras que tu verras, il y a une surprise. Et puis ça, alors là, franchement, je n'y aurais jamais pensé à mettre dans un swap. Aussi bien pour faire les gâteaux. Ça va me servir avec mon petit loulou quand il va venir au mois de mai. Et là, de l'huile de pépins de courge. Alors là, je connaissais pas du tout, du tout. Je pense que ça vient de par chez toi. Mais je ne connaissais pas du tout. Et ça, franchement, mettre ça dans un swap, je n'y aurais jamais pensé. Alors là, franchement, pour ton premier swap, tu n'as fait aucune erreur. C'est un réel, réel bonheur. Mais tu m'as trop gâté. Ouais, t'as éclaté ton budget. Je suis... Je sais plus, voilà quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais même mes chats, ils ont été gâtés. Même mes chats ont été gâtés. J'ai eu. Il y a la place sur la table, je peux pas vous montrer, mais il y a la place sur la table. T'as fait franchement un swap comme si. Désolé, j'ai le nez qui coule. T'as fait un swap comme si. C'est, comme je le dis, c'est ton premier swap, mais c'est comme si t'en avais fait toute ta vie. Il n'y a aucun sans faute. Il y a des choses que moi, je n'aurais même pas pensé à faire. Je vous dis, comme l'huile, nourriture, pour les cupcakes, j'aurais même pas pensé à faire une box comme ça avec des produits nourriture. Alors là, franchement, tu me scotches, je suis sur le cul. Parce que voilà, on a l'impression que t'as fait ça toute ta vie, des swaps toute ta vie, et ça franchement, bah chapeau. Alors j'espère que le mien te plaira, parce que j'ai pas mis alors de nourriture, parce que franchement, ouais non, tu m'as, ouais non, je suis scotché.